Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur notre Let's Play Immortal Phoenix Rising. J'espère que vous allez bien, surtout pour ce 21ème épisode. On se trouve dans cette crypte que je voulais qu'on fasse avant de continuer un peu la suite des choses. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, il me reste encore pas mal de zones, enfin de cryptes à faire dans la zone d'Aphrodite. Que j'aurais voulu d'abord compléter avant de continuer un peu la zone avec Athéna. Parce que c'est bien de pouvoir faire les choses dans l'ordre, comme il se doit. En plus, c'est un niveau 1, ça devrait aller vite. Pas plus compliqué, très bien. Ok. Let's go. En fait, j'ai envie de dire, c'est un niveau 1, ça va être très simple. Le coffre a l'air d'être tout là-bas et l'éclair est juste à côté. Je suppose qu'il y a un éclair, un coffre exactement. Hop, voilà. Ensuite, ça ouvre les portes, ça déplace, et là il y a deux boules. Non, ok, ah oui d'accord. Ça c'est embêtant ça. Parce que du coup il faut que, au moment où elle s'élance, il faut que j'arrive à lancer. On voit ce qui s'est passé là. Oula. C'est beau cette... Attends, qu'est-ce que c'est que cette boule qui s'est barrée totalement crabe? Ah mais oui, en fait je pense qu'il faut l'arrêter à cet endroit là. Ok. Donc là ça a l'air d'être presque bon. Oh c'est une blague. Non mais arrête. Qu'est-ce que tu me baragouines toi? Allez, 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 ok. Ok. Je crois que je l'ai un peu envoyé en l'air.
même pas bougé. Elle y est presque, hein. La mort m'attend. La mort m'attend. La mort m'embrasse. La mort me prend dans ses bras. Hop. Ok. Ça c'est bon. Maintenant, ah ouais, mais en fait pour atteindre le coffre là-bas, je suis obligé de venir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce muret? Non mais il y a un mètre, d'épaisseur. Tu n'es pas capable de pouvoir te poser dessus, sérieusement? Non mais. C'est un muret quoi. Le personnage ne peut pas se poser sur le muret. De façon la plus normale qu'il soit quoi. Non. Le muret est fait de telle sorte que tu ne puisses pas aller dessus. Ouais, c'est un truc d'ouf quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce muret de mort là? Et quand est-ce qu'elle va comprendre que ça se fait pas à la main? Enfin pas comme ça en tout cas. Peau hérissée. Reconstitution de 9% d'un fragment de santé en cas d'atteinte avec combo d'achèvement. Ok. Ok. Mais là, du coup, pour repartir, je suis obligé de mourir en fait. Hein. Ah, moi qui ai une porte. Bah non, voilà, dans tous les cas. Bon, allez, vas-y, meurs. Ça ira plus vite, ça nous fera tous plaisir. Et sera réglé. Hop, ça c'est bon. Et il n'y a plus qu'à récupérer l'éclair. Et c'est une crypte qui est faite. Et qui ne sera plus à faire. Normalement, si je me trompe pas. Non, peut-être pas. J'sais plus. Parce que j'ai récupéré plein d'éclairs, c'est trop, je crois qu'il manquait plus qu'un pour débloquer une nouvelle barre encore. Parce qu'on avait vu que j'avais fait plein d'objectifs que je n'avais pas. Ouais. Ah mais oui, mais je me souviens de ce coffre. Mais oui. Ce coffre n'avait aucun moyen d'ouverture. On va la laisser pour l'instant. Parce que ça, je sais vraiment pas et j'ai pas envie de réfléchir trop là-dessus. Il y avait cette crypte. Celle-ci, celle-ci. En fait, il y a beaucoup de cryptes. Hein. Il y en a une, deux, trois, quatre. Sachant que là, il y en a une qui peut pas s'ouvrir. 5. 5 cryptes, 6, 7. Me défie de la lire. 8. Deux choses ici. Nous allons aller au plus proche de ce que nous pouvons aller. Ça prend la tête. Je veux pas me battre. Ils ont pas compris. Tac. Ah, je peux pas. Tant qu'ils ont pas décidé de me lâcher, je pourrais pas. Mais je suis pas une battre là maintenant.
c'est relou quand même les fights. Hein. Ça y est. Ils m'ont lâché. Oh, j'en pouvais plus. Hop. D'ailleurs, on a toujours le fameux piaf à faire là. Pour récupérer de la dernière. Enfin, l'avant-dernière lire. Ah, oh, ça me prend la tête aussi. Maintenant, peut-être qu'avec tout ce que j'ai, ça passera peut-être un peu mieux, mais. Il fait tellement de dégâts à chaque fois, quoi. C'est insane. Puis en l'air et tout pour l'éviter. Normalement, je sais plus si j'ai payé l'amélioration pour esquiver les coups qui me viennent du sol. De l'air. Je suis désolé. Je vais recharger mon téléphone. Il était plein de poils de chat, mon chargeur. Vive les chats. Il était où déjà ce défi de la lire? Il était là. Je vais retenter le diable en personne. J'ai pas envie, mais j'ai quand même envie parce que ça m'énerve. Donc du coup, je n'ai pas envie, mais j'ai envie. Je vous laisse 4 heures pour débattre là-dessus. Sur ce que je viens de dire. Alors. Ah, et puis c'est ce fameux endroit tout pourri où tu te fais TP, quoi. Ça sert à rien ce truc. Je déteste cet endroit. C'est tellement pratique d'accès pour ce qu'il y a aux entours, mais. Tellement relou en même temps. Allez hop. Ah, ça fait du bien d'avoir deux barres là, non dû. Je me sens puissant, rien qu'avec ça. Et maintenant j'ai mon phénix en vrai qui peut faire facilement les attaques en l'air. Je me souviens plus de tous les raccourcis, j'avais débloqué d'autres choses mais j'ai plus tous les. J'ai plus tous les raccourcis, je sais que je peux être invisible. Avec C quand je maintiens longtemps. Je crois que je peux l'appeler à certains moments pour. Ouais, on va voir. On va voir, mais je crois que normalement je peux faire des choses intéressantes. Allez, quoi. Allez. À chaque fois. Aïe. Ça c'est trop bien, le phénix là qui peut attaquer n'importe où. Hop. Ouais, là ça le fait hein. Je démonte ça quand même hein. Pour une fois. Pour la troisième tentative, je mets 203, tu vois. La troisième, ce sera la bonne. J'aime moins la tournure que pour les choses. Là, je galère à récupérer mon enduit, quoi. Frère, qu'est-ce que tu fous là? Après tout ce qu'on a traversé, t'es pas capable de récupérer ton endurance plus que ça. Quoi. Wow, 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 la frayeur de ma vie.
Ça prend la tête quand même l'endurant. Allez. Wouh. On a enfin réussi. Oh là 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 là. Vaincu lieutenant Aléo, la vive tempête. Oh, j'en pouvais plus de ce boss là. Le machin tout pourri là qui te menait la vie dure là, alors que tu pouvais facilement te le faire déjà depuis un moment. Oh, acquisition aide de la festivité. J'ai acquis de nouvelles ailes. Eh ben dis donc, depuis le temps que je les ai en plus. Défi principal accompli. On va regarder ça après. Oh. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a débloqué de beau? Principaux. Non, c'était juste un succès en fait. Hein. Triompher d'un lieutenant altéré. Ok, en fait, c'est juste un succès il y a quelques secondes. Et donc, ça, du coup. J'ai... Et on va y aller. Incroyable. Mais en plus c'est horrible parce que déjà la première fois que j'avais rencontré, bon j'avais énormément galéré, mais tu sentais qu'il y avait possibilité d'arriver à se le faire. Et la deuxième fois je savais que j'étais en possibilité mais que c'était trop relou quoi. Là ça y est, là c'était la bonne. Là tu vois j'étais en mode bien fort, bien strong. Qu'est-ce que tu veux faire mon frère? C'était pas ça. Je me suis planté. Non, c'est pas ça non plus. Zut. J'ai un doute. Ça faisait... Ok, je suis un homme tocard, c'était ça, 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 ça. Nickel, à moi les pièces. À moi les pièces. Ensuite, on a... Un là et un là. Faut aussi que j'aille choper des animaux. Tiens là-bas il y a un des chevaux là. Est-ce que tu... Attends. Autre chose. Je t'ai bloqué des ailes. Ah ouais c'est... Bah c'est dégueulasse. C'est moche. Tant ces ailes là quoi en fait. Surpris, vous êtes très... Oh yeah. Donc du coup, alors ça se passe comment? Ça m'en donne plusieurs. Bah, vas-y, on va tester un peu pour voir. Ça se trouve, ça va être beaucoup plus efficace en fait. Il faudrait qu'on essaye de faire plein d'autres trucs du coup. C'est pour jamais en fait à apprivoiser des animaux. Jamais. Là on a fait le cerf et le cheval. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait apprivoiser d'autre.
Tac. La crypte est là. Par simple curiosité curative. Ok, non. Oh là là. Oh, t'as mangé. Aïe. Ah, c'est beaucoup de mecs à la hache, quand même. À la hache. Au bouclier, plutôt. Voilà. Hop. Nickel. Allons-y. Allons voir un peu ce qui nous attend dans cette crypte. Quelle belle crypte. Entrer dans l'arène d'héroïsme. Encore une arène. Ok. Hop, fallait pas trouver ce sol. Tac. Et je te termine sans mourir. Le temps que je récupère, je vais aller les taper. La limace, mais en vache. Dégâts insane que je fais un an. Elle a pas fait sans ça, ma phosphore. Hop. Allez. Plein de sous. Tac, toi je te pars parce que t'es mauvais. Et je t'éclate parce que t'es nul. Je suis en rupture de... d'endu. Très bon, qu'est-ce que toi. Oh oh oh. Je vais jouer au marteau, on va jouer au marteau. Hop. Tac, ensuite toi, je te bousille. Wow, et c'est chaud à chaque fois. Si proche du vide. Non, tu fais rien. Non, t'es mort. Mais en fait, c'est exactement le même même crypte qu'on avait déjà fait, mais un peu plus compliqué celle-ci. Ouais, voilà, en fait, c'est un peu une crypte qu'on avait déjà fait, en fait.
On avait fait une crypte exactement même mécanique. 3 vagues, plus une vague en plus, tu vas récupérer le coffre. C'est juste que là, on est sur un niveau up. Ça se fait. Ça comptera dans les griffons à faire. Non. Et voilà. Rien de compliqué. C'est très simple. Avec des potions. En plus, tu roules dessus. Ça on récupère. D'accord, il n'y avait que ça. Hein. Il n'y avait que ça. Je vais essayer au cas où qu'il n'y ait pas un dim coffre caché à un endroit, mais ça m'étonnerait. Parce qu'on voit très bien comment est le décor derrière. Et j'ai de quoi ajouter une barre de boost, hein, déjà. Or que j'ai déjà augmenté la mienne juste avant. Bon, bah c'est nickel ça. Des objectifs en plus de ça. Il y avait cette crypte là. Sauf que celle-ci, je crois qu'il fallait débloquer. Genre, en fait, elle était pas ouverte. Il y avait genre une épreuve à faire. Hop, on va aller faire l'autre crypte qui est là-bas. Est-ce que vous pensez que ça se... Est-ce que vous pensez qu'on peut les utiliser comme monture? Non. Non, pas du tout. On sait jamais, hein, quelquefois que ce soit un peu tendu. Je serais curieux de voir qu'est-ce qu'on peut choper d'autre en vrai. Tac. Seulement. Allez. On voit. Dans l'espace. Aïe. Elle va mourir cette bête. Aïe. Ok. Et puis on y va. Bon, on aura fait 3 cryptes du coup. Ça c'est bien. Entrer dans le chemin des rêves. Ah. Il y a combien de machins de trucs? Ok. Ok. Ok, pas compliqué jusque là. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai voulu tourner sur moi-même, mon personnage j'ai glissé. Et évidemment mon personnage je s'est rattrapé à aucun moment. Ah d'accord, il y a le pilier. Laser de tes morts là. J'ai plus de soins. Heureusement que j'ai ça quand même. Qui me sauve un peu la vie. Ça c'était risqué, c'était tendu. Là, il y avait un truc, non? Ah non, oh oui. Il y a un coffre. Mais à cette hauteur-là, je ne peux point l'atteindre. Oh, c'est quand même pas sale à ce point-là. Mais il est bloqué. Ah oh, la vache. Je pouvais pas l'atteindre, non. J'ai tenté un truc totalement fou. Alors... Alors j'en ai aucune idée. En fait là, le seul moyen d'atteindre ce coffre en fait c'est de puis la foudre là-haut, mais je trouve ça trop sale tu vois. Et là qu'est-ce qu'il veut quoi? Ah mauvais timing. Mauvais timing de ma part, je pensais qu'il allait redescendre. Mais apparemment je n'ai rien compris. Non. Pourquoi tant de haine? Ok, on se retrouve du coup dans l'éclair, sauf que au-delà d'avoir besoin de l'éclair, nous avons besoin du coffre là-bas. Et je peux vous dire que c'est une souffrance, hein. J'ai mis au moins une demi-heure avant d'y arriver là. Mais en fait, là, je suis même pas sûr que ça passe en fait. Hein. Très sincèrement. Ça ne passe pas du tout en fait. Pas le monde du monde. Bon du coup je ne sais pas comment est-ce qu'on récupère ce coffre. Raison de ne pas avoir tout ce qu'il faut. Parce qu'en fait, alors je suis allé voir en fait un petit peu comment est-ce que je faisais. Par contre, il fallait récupérer en fait ce cube là, sauf qu'en fait moi je peux pas en fait. Ma compétence me le permet pas encore, donc en fait je crois juste que j'ai pas la capacité. Donc pour l'instant on va quitter cette crypte malgré le fait qu'on ait bien souffert dessus. Et puis bon, on le fera un peu plus tard. Et puis ma foi, je pense qu'on va s'arrêter là, on aura fait 3 cryptes. On va regarder un peu tout ce qu'il nous reste encore à faire. Il nous reste une 4e crypte qu'il fallait résoudre. Pour ouvrir la porte et y accéder. C'était celle-ci. Il y en a une là-bas, je sais plus c'est quoi. Il y en a une qui est bloquée. Tu vois le temple d'Athéna de la corruption. Okay. Là j'ai toujours 20 crachis que je n'ai jamais fait encore. J'ai un moyen de me TP facilement ou pas dessus.
par aller là en fait, je sais pas. Ça, je sais pas si je peux le faire. Rejoindre le portail. Trouver l'ingrédient géant. Après, ça c'est ailleurs. Ouais, je vais regarder voir si on peut terminer sur un petit combat. On va regarder un tout petit peu comment. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors sachant que là, ouais, juste, je suis fatigué moi. J'avais, on va en profiter pour remettre un peu tout ce qui est à niveau, tout ce qui est à mettre à niveau là. Parce que je sais que j'avais des éclairs pour mettre une autre barre d'endurance. Ouais. Nickel, on a encore des pièces normalement, ouais. Elle fait me leurre. Ah, mais c'est ça en fait qu'il m'aurait fallu. Ça, il me le fallait pour la crypte en fait. C'était comme ça en fait qu'on pouvait transporter l'objet loin. Aïe 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 aïe. Est-ce que je peux m'en faire quelques-unes des potions? Un petit peu. Et là, est-ce que j'ai de quoi? Alors, sachant qu'en plus, attends. Parce que là, normalement, j'ai résolu. Voilà, des choses. Parfait. Incroyable. C'est donc c'est carré hein. Vaincre des soldats de la mort. Mener à bien des cryptes difficiles du Tartare. Collecter des fragments de minuit dans des coffres nocturnes. Mener à bien des défis de mythique de constellation. Ok. Si tu veux acheter, j'ai des choses à vendre. On va attendre un peu de voir tout ce qu'on a pu avoir. Donc des visuels pour un arc, ok. Un nouvel arc. Arc au tir précis. Très bien. De la foudre. Enfin, une foudre, en l'occurrence. Une ambroisie en plus. Je crois qu'il va me manquer une. Pour augmenter ma barre de vie. Et de l'ambre doré 20. Oh bah nickel. Il va manquer une ambroisie. Et là on peut encore boost. Et là on peut peut-être aussi améliorer ça. Hop. Et ici normalement on peut aussi s'améliorer. Façon conséquente l'épée, voilà, le torse pas encore, ok. Est-ce qu'elle me dit des choses intéressantes là? Ok. Et bien on va se tenter à chier là. Toujours des oiseaux dans les cheveux. Ils doivent continuer à chercher des pommes. Où elle est la lance d'Arès en cas de besoin? Hop. Et on va y aller. On va aller voir où est-ce qu'il est. Et du coup, on a déjà commencé à entamer notre dernière barre d'endurance. Mine de rien, il nous manque plus que 3. Hein. Ça va aller entre guillemets vite maintenant. On est hyper bien avancé. Hein. Je trouve. Pour deux zones déjà de fait alors qu'il nous en reste 2-3. Je me trouve. Enfin je me sens hyper bien là. Hop.
tac tac tac. Ah oui, c'est vrai que depuis... Ah, mais j'oublie à chaque fois parce que je peux aller plus vite. Hein. Depuis le début. Alors, je peux rentrer là-dedans? Je peux rentrer là-dedans. On va voir ce qui nous attend. Enfin, on sait déjà ce qui nous attend, mais... Ok. Entrer dans Achille, héros altéré. Wow. Défi accompli. Alors, c'est un truc à récupérer ou pas? Non, c'est juste un autre. Ok, on s'en fout. C'est un succès. Alors, du coup, il y a quoi ici? D'accord, donc juste la crypte à faire. Ok. Ça a failli être... Attends. Attends. Parce que là, ça ne m'arrange pas la position dans laquelle je me retrouve. Ne me plaît pas. Voilà. C'est bon. Ah, c'était dur, hein. Il y a deux hâtes de se barrer en cacahuète. Oh que c'est beau la lave. Tout en fusion. Ok. Ah ouais, j'avais pas vu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce boss ténébreux qu'on va laisser faire hein? Je sens que je vais faire massacrer, je vais encore demander ma vie. Ah ouais, mais en fait, j'ai pas vu en fait ce côté obscur là. Mec, où est-ce qu'on est tombé là? Ça va être du boss de chez boss hein. Achille, héros altéré. Ça. Sérieusement?
Ok. Bonne nouvelle. Oh la vache. Ah ouais, il met cher. Non mais gros. Je passe à tout piège 24 quoi. Oh la vache. Eh c'est hip, c'est hip boss. Ouf. Et un dernier coup, mis fin aux indicibles tourments d'Achille. C'est vrai que c'est bon. Ok, bon bah ça c'est fait. Vaincre Achille, nickel. Beau petit combat de boss quand même. Talon des talons. Parfait ça. Médaillon d'Achille. Médaillon d'Achille. Très bien. Et bien ça me paraît pas mal tout ça. Qu'est-ce qu'on avait eu déjà avec des arcs? Plus 10% de dégâts. Complète. Les skins des arcs sont sympas quand même. Oh. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste de beau? Juste en fait cette crypte qu'il faudra faire là-haut. Celle-ci du coup on est bloqué, celle-ci je peux pas, celle-ci je sais pas. De toute façon on avancera un peu sur le principal après. Et bien parfait. Eh bien écoutez, sur toute cette petite crypte qu'on a faite, donc du coup, bon, on en a fait une, deux, et la troisième du coup que je n'ai pas pu finir parce que il me manquait du coup la compétence qu'on avait vue dans le hall des dieux, que je récupérerai d'ici peu. Et on ira se refaire ça, plus ce combat avec Achille. Et bien écoutez, moi je propose qu'on s'arrête ici, puis qu'on se retrouve pour un prochain épisode où on fera un peu plus de principal. On ira nettoyer du coup le temple de l'autre là. Alors non, c'est pas ça, c'est ça. Nettoyer le temple d'Athéna de la corruption. Donc on ira le faire au prochain épisode. C'est on va s'en occuper. On avancera dessus, puis écoutez, bah, si vous avez aimé cet épisode-là, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime, un commentaire, puis écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode. Moi, je vous dis ciao, ciao!